Merci Jésus. Mais ça, c'est tout dans le nom de Jésus. Pourquoi ne pas passer un bon moment dans la présence de Dieu? Laissez-moi remettre ça à la prière avant que j'écoute la parole de Dieu. Je dis Seigneur Jésus, me commande mon pensée, mon équerre, mon attitude, mon âme, mon imagination, mon conscience, une captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi les yeux pour trouver clair, donne-moi les oreilles pour tendre, donne-moi les cœurs pour comprendre, pour déclarer, pour être béni ce soir. Amen. Ça, c'est mon cinquième partie. C'est mon cinquième message de manipulation. Et peut-être que vous pouvez vous l'auteur dit. Donc, il y a plusieurs formes de manipulation. Il ne faut pas nous laisser nous manipuler. Pour tenir des affaires avec nous, pour gagner des affaires avec nous. N'a pas l'esprit tombe dans la manipulation. Il paraît que moi, quelqu'un dit ma pasteur, depuis mon écoute au message, quelqu'un dans la famille qui a un problème de finance, il seulement il peut pleurer, il a 50 000 roupies. Il a un problème de finance, il a 50 000 roupies. Vous savez, non? On va perdre 50 000 roupies pour obtenir 2 000 roupies. Il en a besoin. Même 2 000 là, c'est important pour lui. D'un côté, oui, il y a une édimouna. Puis dans le besoin, quand même avec des souvenirs, des lobbies comme ça. De l'autre côté, il n'est pas laissé manipuler par l'homme pleuré. C'est la même là. Vous devez bien être prudent, surtout dans l'époque novembre, décembre. On ne manque ça de le passer. Dites dans novembre, décembre, qu'il faut faire du mot pour venir demander de l'argent. Parfois, dites dans novembre, décembre, que du mot pour venir abuser de toi financièrement. Alors, pareil, comme tout le monde, aussi, tu as des bons souffles à décembre, aussi, tu as des envies pour. Avec deux enfants à l'école, l'université, tu demandes un projet, tu n'as pas l'histoire manipulée. Être sage. Bon, Dieu veut être tous les cœurs pour bénir Jimoula, de bénir Jimoula. Mais il n'y a pas les yeux donnés par manipulation. Je te dis amen. Ok. Moi, je prends beaucoup l'exemple dans l'Ancien Testament, nous l'étions depuis Genèse, nous couvrons beaucoup d'événements dans la Bible à partir de Genèse. Aujourd'hui, pour montrer les yeux dans le Nouveau Testament, comment tient la manipulation. L'Église s'y fait former dans les livres des apôtres. L'Église s'y fait former là. L'Église fait former dans tes apôtres et dans les structures. Donc, pour montrer comment la manipulation est venue, pour l'infiltrer, alors nous pouvons beaucoup à tes apôtres aujourd'hui. Mais avant que nous mettions à tes apôtres, je vais sur la Bible de Genèse 35. J'ai envie de montrer des affaires intéressantes. Genèse 35 et le verset 16 à 21. Genèse 35. Merci Seigneur. Genèse 35. Dites-moi que vous. Donc, vous pouvez ensemble. La Bible dit, Jacob et toute sa famille, et tout le monde qui est là-bas, vont partir ensemble de la Bethel. Deuxième distance, Ephrata, Rachel, il a accouché. C'est là qu'il a accouché? Alicia, c'est là qu'il a accouché? Ça veut dire accouché. Il y a un petit bébé. Rachel, il y a un petit bébé. Et elle eut un accouchement pénible. Dans mon version, il dit ça, il y a un accouchement pénible. Dans une version, il dit douloureux, pénible, hard, et hard labor. Ça veut dire avec douleur, là. Avec douleur, là. Avec un douleur pas pécassé pour ôter. Regardez le verset 17. Pendant qu'il y a une douleur de l'accouchement, un sage-femme qui dit. Bien sûr, un sage-femme qui dit. Pas besoin de père d'un garçon et un garçon. Là, c'est 18. Tellement qu'il a joué, cet accouchement-là, je viens à l'époque longtemps, beaucoup de monde est beau dans, pendant qu'il peut donner une naissance. Parce que je crois que c'est tout, comment ça s'appelle? Équipement qui est bizarre, propriété qui est bizarre, comment on est dans l'hôpital, comment on est aujourd'hui équipé. Je crois qu'il connaît beaucoup d'affaires qu'il nous connaît. Alors, beaucoup de monde, quand il donne naissance, c'est beau, pas de maman la même. Là, quand il peut accoucher, il peut rendre son âme, il est mourante, le verset 18. Le verset 18, un coup, jeune homme, le verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Tu as regardé le coup? Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais! Il y a un gros mot là, qui s'appelle mais! Allez, tiens, elle est là. Le père de la mère. Ok. Mais je te demande attention. Moi, je suis en créole, il y a deux choses que je comprends. Une madame peut donner naissance à un papa. Quand maman a pu donner naissance à un papa, à cause de la douleur,
à cause d'une douleur qui n'est pas capable de supporter, à cause d'une position qui n'est pas capable de supporter, à cause d'une douleur qui à l'extrême, il trouvait du problème mort, la mort est finie, il donne un nom à ses enfants. Et ce nom-là n'est pas un nom bénédiction, ça. C'est un nom qu'il lit, il donne ses enfants, dans la douleur qu'il était là, ce n'était pas un joli nom. C'est un mot, ben Oni. C'est un mot, ben Oni, là, il veut dire fils de ma douleur. C'est un mot, ben Oni, là, veut dire, il veut donner ses enfants un nom. Il veut dire, ses enfants là, à cause de mon nom, il va se parler. Hein? Toi, tu as la peine pour moi de me douler à toi. Qui vous fout à toi? Et ça? Papa là, tout de suite, qui fait? Allez, réponds-moi. Papa là, tout de suite, il est bouté, dire, oh non, mais! Les papels? Benjamin. Et Benjamin veut dire fils de ma droite. C'est-à-dire, garçon, qui vous reste dans votre droite en tout temps. Et vous tirez en tout temps. Et qui mangez mon témoin là-dedans? Peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous laisser nous manipuler par douleur. Quand je dis manipuler par douleur, quand il laisse douleur manipuler, il peut faire une bêtise. Vraiment, quand je dis quand il met un coup de mort, quand il a un coup de douleur, il jouerait faux. On voit chrétien si pareil. La tête tapée, la main tapée, il est arrivé, il y a une douleur, il y a une blessure. Chrétien qui n'est pas encore ouvert sur la langue bien, pas encore ajusté ni bien, comporté bien devant le Seigneur, comme ça fait qu'il peut sortir jouer. Comme ça fait qu'il peut sortir un jouer. Il ne faut pas que les douleurs manipulent le langage. Parce que comme on va les avoir douleurs, on va les attraper. On les a tombés, on les a tapés, on les a gagnés mal. La tête nous a tapé à la flèche, ça fait nous a tombé le mal, la côte, ainsi de suite. Mais jamais, 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 jamais. Vous vous jouez. Jamais vous vous jouez. Dans le travail, moi je travaille, les femmes peuvent passer, moi je peux aller vite, vite, moi je peux une cogne avec right angle de la table. Moi je dis, allez, lui, avoir du courage, moi. Et tu fais qu'appelle Marie-Michel en anglais, je vous dis, tu viens de Marie-Michel. Marie-Michel dit, et ta banane brainwash, toi, le Michouki. Banane brainwash, toi, tu tapes à la table, si tu l'as radieux, quand tu l'as radieux là-dedans, tu tapes, tu n'as rien mal, tu as besoin de jouer là, qui gloire à Dieu. Qui est ça? Depuis que je finis en train de comme ça, je n'ai pas de carité pour dire gloire à Dieu. Je me rate des affaires, je te prends pour un mens, je te prends pour un accident, toutes les premières affaires, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, tu t'en mets dans le contrôle. Parce que la Bible, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il est encore capable de jouer, encore capable de faire encore capable de dire tout ce qu'il y a. Mais il y a encore de l'équerre là. Laisse-moi dire, c'est ça de l'équerre. Comme de Dieu, il ne faudrait pas nous laisser aucune douleur, mais on est là. Peu importe qui douleur. Je ne peux pas venir dans le jeu de l'ego. Jamais je laisse ça douler là. Fais-je dire avant de faire qui n'est pas bien, ou bien faire avant de faire qui n'est pas bien. Il paraît comme un timon qui dit non, tu veux prendre la drogue. Un qui dit non, tu veux prendre la drogue. Il n'est pas catiné comme ça, prends-le, il n'est pas catiné. Il voit un couteau, il réglit. Il sentit un petit peu bien. Il sentit un petit peu bien. Il ne faut pas te laisser douler. Manipule-toi pour faire ça dans les affaires-là. Un autre exemple, un garçon qui compte en toi, bien un petit peu qui compte en toi, après il casse tout l'équerre. Tout l'équerre tellement peut saigner, tellement tout l'équerre peut faire mal. Tu as le bandit, tu as le bois à faire. Déjà, il me soit, il vous plaît ça. Vous avez tous les enfants, tous les filles qui n'appellent l'hôpital, quand la police prend l'enquête, tu as dit, tu fais ton bois, ça veut dire, il me soit, il vous plaît ça. Il ne fallait pas nous laisser aucune douleur émotionnelle, sentimentale, pousse-nous pour une mauvaise décision. Qui quand c'est Jimon qui quitte l'église parce qu'un Jimon est blesseuse, une douleur, une douleur, parce que tu as des affaires qui casse une blessée, alors je vais vous quitter. N'importe quelle façon. Pas les douleurs manipulent toi. Si tu es là pour sortir d'une église parce que bon Dieu tient toi, si tu es là pour sortir d'un travail parce que bon Dieu tient toi, peu importe qui tu es là pour faire parce que bon Dieu tient toi, et non pas parce qu'il y a une douleur. Moi là, quand je me dis parce que bon Dieu tient moi, et non pas parce qu'il me tient une douleur qui part au sein de là. Je vais comprendre mon gaz. N'a pas les douleurs manipulent toi, influence toi. Et surtout, n'a pas laissé douleur faire toi, n'a pas laissé douleur pousser toi pour dire mauvaise affaire de tes enfants. Je me rappelle qu'elle m'a raconté, ce papa, la fin d'année, ou bien quand ce papa a fait du mois, besoin de l'argent pour une quitteuse, déjà ce papa pas tenait un bon travail, alors fait du mois, quand besoin de ses enfants, soit les enfants, l'argent pour l'école, bonnes affaires, après tout le temps, vous jouerez un peu plus comme ça. Puisqu'ils étaient un petit guide, papa a fait besoin de travail grand matin, c'est qu'attendu pour essayer un petit poignet d'argent.
Mais c'est quand il y a un appel, tu peux trouver comment dire 90% de finir cette petite. D'abord sur l'école, sur le son, sur ça, sur le prier. Vous donnez papa là. Mais vous avez ce maman, ce papa derrière, vous me dites, je ne pas compagnie de là. Parce qu'il fait parole là, douleur, quand il donne ça. Pas de Dieu. N'a pas laissé aucun douleur. Manipule-toi. Maintenant pour prendre ma décision. Maintenant pour faire mes affaires. Je te jamais le combat à la pasteur. Au contraire, maman, vous pouvez faire mes affaires. N'importe quand on sentit dans le travail, n'importe quand on sentit dans le pays, dans l'endroit, dans l'église, n'importe quand comme ça, un démon peut prononcer par un négatif, ben oni, fils de ma douleur, pays là, pial, l'emballage, on peut couper, douleur. N'importe quand un démon peut prononcer par un négatif, toi tu es supposé faire comme Jacob. Mais, la Bible dit, company of the righteous is blessed. La Bible dit, là que tu me poses aujourd'hui, ça va ça de béni. Moi, je te dis que la Bible dit. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, je sais que la Bible dit. Je me rappelle, le tien pour marier, oui, parce que j'en ai un pour marier, donc la plage, l'eau la plage, la mer là, l'eau la plage. Gros la pluie, puis commence à tomber, gros divan, puis souffler. Tu te rappelles ça? Là, que j'ai dit. Que j'ai là. Que j'ai là deux jours. Si j'ai promis. Promis. Gros la pluie, tu peux téléphoner, par le pasteur, tu peux téléphoner, et puis même ça, moi, ça. Gros la pluie comme ça, le trou de luz, que pour faire de belles morts, comment pour faire ça? Moi, je suis venu, nous prier, nous prendre la guitare, nous chanter cantique, nous lever bon Dieu, nous prier. Oui, mon Dieu, mes diamants affaires. Pourquoi pour les ça dérange moi, Seigneur, de la grâce, il suffit pour faire ta confiance. De me dire moi, Seigneur, je voulais bon Dieu, si de nous l'honneur. Pas juste nous glorifier, bon Dieu. Il y a un verset dans le livre de Romains, qui n'est pas tellement pasteur, dit souvent. Il y a un verset dans le livre de Romains, qui dit, bon Dieu, nous glorifier nous. Celui qui, bon Dieu, fait justifier. Non, il commençait comme ça. Celui qui, bon Dieu, fait appeler, il fait aussi justifier. Celui qui lui fait justifier, il fait aussi glorifier. Beaucoup versets, il n'y a pas de bon Dieu, glorifier nous. Vous savez, mais il n'y a pas de la main, il n'y a pas de dire qui casse les argent, qui peut dire là. À la fin de ce jeu, je lis de la Bible. Il dit, si bon Dieu de gloire, à celle la Bible, dit, toi, toi, en Jésus-Christ. Puisque bon Dieu de gloire, toi, toi, en Jésus-Christ, qui devine? Enfant de gloire. La gloire, bon Dieu, dit le sauveur. La gloire de mon Dieu de ce peuple. Alors, vous savez, parfois, arriver dans ma vie, vous dire dans les affaires, ah, qu'est-ce qui s'est passé là, le bureau de la gloire pour lui? Attends, attends, le bureau de la gloire pour lui, il est déjà fini glorifié, lui. Mon Dieu finit glorifié, lui, qui fait que le bureau. Attends, je suis toi qui mal interprété, c'est pas le bureau de la gloire pour lui. Il y a quelqu'un qui est bon Dieu, il est déjà glorifié. Le deuxième, il y a quelqu'un glorifié en Jésus-Christ. Souvent, je vous dis, vous dire ça par hasard. N'a pas tous la gloire de mon Dieu. N'a pas tous la gloire de Dieu. Vous voulez toucher tout la gloire de Dieu, toi? Personne ne peut pas tout la gloire de Dieu. Vous voulez personne ne peut pas tout la gloire de Dieu. Mais de l'autre côté, la Bible dit dans bon Dieu, Christ in me, the hope of glory. C'est juste pour vous prêcher là. Il y a une ville, il y a une réalité, mon frère, aussi dans la Bible. Ça verset qui dit à nous, une nouvelle créature. Ça révélation de la Bible, il dit Jésus-Christ dans nous là. Sa phrase qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite dans nous là. Si tout chrétien a une révélation de ça, il a la gloire dans nous. Nous tous qui l'avons besoin de la gloire de Dieu. Et nous, Dieu n'a pas que aujourd'hui. Et nous, Dieu n'a pas que aujourd'hui. Ok, nous allons vivre avec les apôtres. Quand Dieu veut prendre le temps d'étudier le livre des apôtres, et veut identifier au moins 10 places, au moins ça, 10 places, que Dieu veut essayer de manipuler. Manipulation pour rentrer. Et vous voyez de tout le monde qui doit être épargné de ça, nous avons dit seulement, pour qu'il ne soit pas une victime de ça. La Bible dit à des apôtres, chapitre 5, verset 3. À des apôtres 5, verset 3. Là, ces histoires, Ananias et Saphira, beaucoup de gens ne sont pas capables de lire cette histoire-là dans la Bible. Ananias et Saphira, je ne vais pas venir pour son terrain. Vous voyez, verset N. Mais c'est vraiment verset N. Je te l'ai dit, venir pour son terrain. Ça veut dire, ma famille, venir pour son terrain. Si tu crois, on appelle ça pas te marier là, tout ça fait vivre pour lui, vivre pour toi là. Communauté de bien. Communauté de bien. Tu connais des pays bien longtemps dans ça. Ok. Ananias et Saphira, mari et femme, ils vont être terrain. Peut-être on peut causer bien des banquiquens là. Bon, peut-être pas ici, peut-être on peut causer là, il y a des banquiquens. T'as pas vendu terrain sur ton mari connaît? T'as pas vendu terrain sur ta femme connaît? Ok, ok. Pas connaître pour que ça là, mais fait, non, il y a mal là, n'allait toujours là. Flessa n'allait. Mais tu préfères flèche, non flèche, rappelle? C'est un petit garçon sur anniversaire, il n'écoute pas prêcher, il demande son moment de flèche cadeau.
de ce moment bien famille. Alors ils m'ont dit, pasteur, tu prêches ça dans l'église. Moi aussi. Alors il va appeler ça, me coller dans mes lignes. Le vidre. Et lui. Ananias et Saphira te le disent dans le terrain, et avec ce consentement, la mauvaise version dit, avec ce consentement, tu lui dis, je connais une partie de sa prix que je demandais là, et je n'apporte l'autre partie là, je ne dépose ça au pied de sa apôtre. C'est-à-dire, je m'adresse à l'église. Et verset 3. Pierre, il dit, Ananias, qui fait que Satan a envie de l'éguer? Au point de mentir au Saint-Esprit. Que tu connais une partie de sa prix là? Parce qu'à de tout, quand, avant de vendre, il partit déjà pour toi, le verset 4. Avant de vendre, il partit déjà pour toi. Après te vendre, il partit déjà pour toi. Après la vente, le prix n'était-il pas, il partit déjà pour toi qu'à cela? Faites une médecine de ton équerre, que nous faisons affaire comme ça. Tu ne fais pas authentiquement de vendre ça. C'est pas mal, Dieu te fait cause mentir. C'est à Dieu que tu ne causes mentir. Ananias, quand tu as une parole, il est tombé du mot. Dans ce Nouveau Testament, pourtant ces périodes de la grâce, pourtant ces matériaux qui passent sous la loi, tout un petit peu de Dieu, quelque chose qui fait un mot. Mais dans ça fait qu'il est arrivé dans le chapitre 5, dernier verset, après le chapitre 4, dernier verset, vous savez, quand je lis la Bible, il est vrai que quand on finit le chapitre, verset, tous les temps, je lis les trois versets avant eux. Chapitre 4, capable commence chapitre 5, verset N. Dis-moi, je vais lire chapitre avant là, comment il finit. Après, je viens dans le chapitre que je vais lire. Il y a souvent des affaires collectives. D'accord là? Allez, allez. Chapitre 4, verset 36. Tiens, un petit mot qui s'appelle Joseph. Joseph, verset 37, l'invente un poche en terrain. L'invente un poche en terrain, il amène l'argent là, tout l'argent là, et il met ça collectif à la porte. Joseph qui fait ça avant. Joseph qui vend des reins. Il vend des reins, Joseph, et puis il amène tout, il met ça collectif à la porte. Ananias et Saphira, ils refaient pareil comme à Joseph. C'est ça le danger quand on refait pareil dans l'église, comme le monde. Tout différent, reste différent. On a aussi l'habillé, on a aussi le posé, on a nos façons de prêcher. On va pas faire comme un personne d'autre. Moi comme ça, vous prêchez comme ça. Le problème, c'était pas de vendre, acheter, donner d'un Dieu, d'un petit guide. C'était pas ça le problème là. Il n'est pas le mot parce qu'il y a un bon Dieu, petit guide. D'ailleurs, tout qui soit déjà pour bon Dieu. Il y a un verset dans Romains où tu peux lire ça. Enfin, on étudiait dans deux jours, on étudiait les livres romains et il y avait aujourd'hui. Tu crois comme mon malade, il ne reste rien à faire, moi. Comme mon malade, il y a mon Bible plus, moi. Et là, je dis, verset, on ne pas rappeler. Écoute, on a de ta Bible, il fait ça. Tu dis, on a de ta Bible. Tu dis, dans le verset, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une chose qui ne dit pas de lui et il peut penser qu'il peut le dire pour Dieu? Je dis, verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux, c'est qu'ils ont été dans la. Je pensais qu'on ne pas de tout ça. Je fais quoi, c'était que je voulais le savoir. J'ai. Ben non, le dimanche en ligne. Un joli verset, c'est bon. Et qui dit, il y a un verset là, il dit, hé oh, tu sais qui te veut dire, tu veux le manger là, tu veux quoi, bon Dieu, pas de toi ça. Au contraire, t'as un bon Dieu qui te doit ça. T'as les dents, t'as la roue, t'as le dos, t'as bicyclette, t'as internet, t'as portable, t'as la voix, t'as la guitare, t'as chanter. Tout ce qui nous est énorme, mon frère, c'est bon Dieu de nous. La vie qui te est dans la main, il n'y a pas pour toi. La vie qui te est dans la main, le souffle, il n'y a pas pour toi. Il vient de Dieu. Et un jour, nous pourrons répondre à bon Dieu. La fête, c'est qui vous voulez, se dépiler comment vous voulez. Et un jour, nous pourrons répondre à bon Dieu. Ok, nous retournons dans le contexte. Père de Dieu, laisse-moi dire ça. Il ne faudrait pas nous laisser manipuler dans l'église. Alors, Dieu, nous pourrons amen. C'est dans l'église à faire. Ananias et Saphira, les autres manipulés et donnés. Père de Dieu, si nous n'avons pas donné des affaires dans l'église, nous devons tout nous le guérir. Nous n'avons pas donné par manipulation. À la fin de l'année, nous prenons une offrande spéciale pour bonus par le pasteur. J'ai tout le pasteur qui a plein temps. Nous prenons une offrande spéciale pour eux, un panier en plus, pour qu'ils soient capables de prendre nos œufs et que je 13e mois, ceux qui gagnent la paye dans l'église. Pas de nous abonner ce pasteur-là parce que vous êtes manipulé pour donner. Nous faisons arriver à un moment, Yoram, nous faisons arriver à un moment, même si pas tient aucun verset de la Bible pour donner bon Dieu, nous faisons garder le bon Dieu. Vous êtes Yoram? Même si pas tient aucun verset de la Bible qui dit, quand vous donnez, vous récoltez, nous faisons garder le bon Dieu. Père de Dieu, pas les sous-manipuler pour donner des choses dans l'église. Dans le passé, vous le remarquez ça? Quand on peut faire une convention, quand on peut faire des affaires, à cause d'un tel, la main pour donner,
Un dimanche, en question, il n'est pas nécessairement énorme, mais l'objet, tu me connais dans ce liquide, parce que l'attitude de le passé, juste à cause des autres tapés de nez, pour montrer qu'il est si capable de ça, il ne faut pas avoir une attitude comme ça. Pour dire que le liquide, il existe une attitude, n'a pas le sous-manipulé pour le liquide. Je vais vous y amener. N'a pas le sous-manipulé pour vivre l'Église. Pour vivre parce qu'il est Jésus-Christ. Je vais vous y amener. Mais sa phrase, une phrase, mais faux. Bien pour dire, comment est-ce que Satan il remplit ton cœur? Pour qui on dit le verset, on peut dire, qui fait Satan rester manipulé de toi? Qui fait Satan rester manipulé de toi? De nous retenir, et là, de nous cause mentir, de nous prétendre, de nous refaire du monde quoi? De nous refaire du monde quoi? De payer de tout, de nous refaire du monde quoi? De nous blesser, de nous refaire du monde quoi? De nous cramper tout. N'a pas laissé Satan manipuler le cœur dans ce qu'il s'agit de donner. Je te dis amen. Amen. Mais déjà, vous savez bien qui va une pensée, qui va une idée, qui va la voix, qui va un message, Satan peut envoyer. Détecter et mettre vidéo. Tout ce qui, tout pensée qui se gagne, mettez en lien avec la parole de Dieu. Qui la Bible dit là? Qui la Bible dit là? Quand vous avez une pensée, laissez-moi donner toujours vous trouver qui pensez me donner. Qui la Bible dit là? Non, 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 pardon. Tout pensée qui te gagne, mettez en lien avec la parole de Dieu. Je te dis amen. Amen. Donc, ça, c'est le premier exemple. L'Église peut démarrer. Comment va Dimoun, il les a manipulés ou non des pays supérieurs qui ont des camarades dans ce qu'il s'agit de donner. Et tu en auras un mot, tu vas dire. Regardez déjà l'exemple. Regardez déjà l'exemple. À l'exemple, chapitre 6, verset 12. Tu vas nous dire en attendant, nous dire Seigneur Jésus, tu vas le moment que le diable vient remplir mon liquide, mon renonce à ça. Tu vas le moment que mon falsifié. Pour ban l'offrande. Tout ban moment. Mon laisse-moi manipuler. Au niveau donné dans l'église. Mon renoncer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À des apôtres 6, verset 12. À des apôtres 6, verset 12. Vas-y, l'écrivain. C'était déjà l'exemple dans le Nouveau Testament, c'est avec des apôtres. C'est déjà un exemple que tu le verset 8. Tu as un dimanche qui s'appelle Étienne. Étienne est rempli de grâce, rempli de puissance, et tu coopères avec le bon juge, avec le signe parmi le peuple. Tu as un dimanche de synagogue, dans la partie qu'on organise, on peut discuter avec lui. Le verset 10. Mais je ne peux pas résister à la sagesse à travers qui Étienne peut causer. Étienne peut causer avec la sagesse et il peut causer par le Saint-Esprit de Dieu, mais on ne peut pas résister. Le verset 11. Pendant qu'il y a une soudoyère, dans mon version, c'est un verbe là, soudoyer. Dans cette version, c'est soudoyer. Hein? Subornaire. Voilà. Subornaire. On sait ça? Soudaillé. Oh, dans ta tête, version, c'est soudaillé. Dans ma version, c'est soudoyé des hommes. Soudoyé veut dire manipuler le monde pour faire ça. Soudoyé des hommes pour qu'ils vont dire, soit disant, je ne t'aime pas au blasphématoire, ainsi de suite. C'est tout, il va. Merci, Seigneur. C'est un très joli exemple, un très joli passage dans le Nouveau Testament. Comment va Dimon manipule les autres Dimon pour qu'ils baladent des affaires qui va bien. Un groupe Dimon manipule un autre groupe Dimon pour que l'autre groupe Dimon a des affaires qui fausses. Manipulation. Manipulation. Dire un petit coup de moi, mon garçon, les versets 11, 12, 13, 14. Vous avez pensé bien faux? Alors, il subornait des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent sans témoin. Ils se produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le Dieu saint et contre la loi. Ça, c'est tout dans la Bible. Donc, vous faites un exercice. Vous êtes même, dis-moi, à travers manipulation, qui va nous faire arriver? Allez, nous commençons à partir du verset 11. À partir du verset 11, c'est là qu'il y a un qui se comprend par le verset 11, quand il y a un manipulé qui est arrivé. Le verset 11? Attends, le verset 11 avant blasphème, juste avant sa blasphème, juste avant sa blasphème là, quand un démon est manipulé, je dis, hey, nous entendons ça. Est-ce qu'il veut résoudre dans ça? Non. Non, non, c'est moi là. Vrai, ça va un démon là, pas dans sa parole là,
Mais puisque je les ai manipulés, je dis oui, nous t'y tendis. Mais vous savez bien que Dieu ne pas manipuler nous pour faire nous donner des choses comme ça, j'ai envie de nous tendir. Surtout quand je priais pour la cour, pour l'assistant. Surtout, il y a pourtant de prier pour la cour, il y a pourtant de prier pour l'eau et l'ordre dans le pays. Après, j'ai prié pour tous ceux qui ont l'autorité. Dans le livre de Romain même, il disait ça. Nous avons prié pour ceux qui ont l'autorité, pour qu'ils ne puissent pas marcher libre dans le chemin et qu'ils ne soient pas innocents, n'ont pas resté dans le casseau. Nous avons prié pour le pays. Ils font partie de la prière, c'est pour prier pour le pays. Prier un chrétien qui est là pour prier, ça ne veut pas dire prier pour lui, pour ses enfants, pour madame, pour mari, pour sur le dos, pour son bateau, pour son sato. Hein? Non! Les petits-petits, nous avons prié pour le gouvernement. Les petits-petits, nous avons prié. Tu sais, quand tu as ce que tu fais, quand tu es là pour prier 40 minutes de dollars, quand tu finis d'écrire un papier, 5 minutes, qui va vous prier? Maintenant, tu es là pour mon endroit, tu es là pour mon pays, tu es là pour le gouvernement, tu es là pour la police, tu es là pour mon professeur, tu es là pour mon collège, tu es là pour le pasteur, tu es là pour l'école des enfants, tout ça là. Les petits-petits, tu veux prier. Il y a un bonjour de prier. Alors, si tu ne pas prier pour un magistrat, si un magistrat, qui un juge, qui est là pour prendre décision sur tout le pays, si tu es manipulé pour tant d'affaires qui sont fausses, et nous avons envie de trouver dans des apôtres. Vous connaissez le Romain, dans le livre de Romain, la Bible dit que le magistrat, c'est le ministre de Dieu. Et nous, qui savons, si quelqu'un y a des diamants, je vous trouve ça dans Romain. Chapitre 13, ben voilà, c'est simple, vous l'avez couvert exactement, c'est un signe ça, je vous ai dit ça. Romains chapitre 13, rappelez-vous qu'il nous tous nous dans l'autorité, parce que l'autorité divine de Dieu. Si quelqu'un oppose l'autorité, il peut résister à l'ordre de Dieu, il pertient à une malédiction dans lui-même. Verset 3, les gouvernants, c'est dire gouverner, mais le mot c'est magistrat, ou bien juge. Ben, juge, ne sont-ils pas à la crainte, ainsi de suite. Voilà, le verset 4. Ben, juge, quand elle est au service de Dieu, pour ton bien. Le verset encore, il peut dire. On n'est pas son politique. C'est le ministre de Dieu. Alors, si vos enfants ont vu un magistrat, ont vu un avocat, qui vous a fait aller? Il a dit non, vous ne voulez pas. Mais si vous qui vont dire, vous avez en venant, mais je veux les enfants, il y en a un docteur. Aucun place à la Bible parle des femmes de docteur. Allô? Parce que la Bible, c'est pas ce qui est malade qui a besoin de médecin. Mais c'est pas ce qui est bien qui a besoin de médecin. C'est tout ce qui est arrivé à un moment donné, moi aussi, au fil des années, il y a un chrétien, un parent, il disait aux autres enfants, n'a pas fait ça, parce que le chrétien n'a pas supposé faire ça. Je vais mal dire. Un enfant bon Dieu, un chrétien, ses enfants, il n'y a pas de docteur. Jusqu'à ce qu'il s'adjume, qu'il y ait là, il y a la foi de Jésus, mais Dieu ne va pas fixer des mots là. Vous comprenez ce que vous dire? Allez, est-ce qu'il a mis pas dire qu'on le pose jamais malade ou bien? Qui dit monde de la terre tous les jours pose jamais malade? Pasteur même pas fait ça. Moi, pasteur, tous les jours on va poser jamais Dieu malade parce que tous les jours on passe jamais malade. Elle était fêlée. Si nous restons, si nous gagnons un chrétien avant de faire qu'il a la capable, comment Dieu fait que vous avez juste elle? Un chrétien qui est docteur, il peut bien l'occasion, mais ça va être la puissance pratique et surtout quand il lui pose jamais pour que Dieu m'en a. Gloire à Dieu, quand il peut guérir, checker, Dieu l'a fait guérir toujours. Arrêtez ce diable gardou dans le ténèbre, devant une confusion, dans une fausse raisonnement. Un chrétien n'a pas vu la police, un chrétien n'a pas vu l'avocat, un chrétien n'a pas vu le magistrat. Amen. Amen. Ok. Un chrétien n'a pas vu le pasteur ici. Amen. Alors, Félix, tant de bonnes affaires, malade, Jésus, tant de bonnes affaires, je vais entendre. Le verset 12. Je excite le peuple. Et ben ancien, je vais émettre. Je saisis et tiens par force. Le verset 13, je produis ben faux témoin, faux témoignage, faux témoin. Et je dis, soit disant, nous t'en dis ça. Et je vous trouvais après pour le Nicodros, pour l'arbitre Étienne. Peuple de Dieu, manipulation, il tient la vie à Dimoun là. Manipulation, il tient la vie à Étienne. Pourtant, Étienne tient Dimoun, rempli de sagesse, rempli de l'esprit de Dieu, rempli de grâce, il fait des grandes choses. Six miracles produits chaque compagnie. Manipulation. Et la même chose que le Kéra.
Dis Seigneur Jésus, Jésus délivrez-moi de toute forme de manipulation qui me retient mon la vie. Toute manipulation, tout mal du monde qui fait manigance dans les affaires des mots de Dieu. Tout mal qui gagne qui me fabrique bonne phrase. Tire un petit chose en dehors du contexte. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, maintenant même, vous déclarez, c'est une manipulation. Pas pour rappeler par l'ordre au monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis ça, c'est Seigneur Jésus, délivrez-moi de tout mal du monde qui veut produire un fausseté, faux document. Fausse témoignage contre moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans l'exemple dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 8, verset 18. Actes chapitre 8, verset 9 avant. Actes chapitre 8 et verset 9. Et je connais certaines affaires. Je connais que Valentin manipule, qui fait que Étienne, tu peux prêcher, Valentin manipule un groupe du monde. Je te dis, moi. Donc, ça fait pour autant. Je connais qui fait, quand le pasteur Étienne peut prêcher, Valentin manipule. Il manipule un groupe du monde pour conflit. Voilà. Parce que dans le verset 10, Jean Jenny reste tranquille, il parle reste tranquille, je remets qu'à contre lui. Écoute bien ce que je vais vous dire là. Bien souvent, il est arrivé quand il dit qu'il n'y a pas contre toi, il va manipuler toi. Et quand tu as une compagnie, quand tu as un boss, quand tu as un toi, quand tu as un supérieur, il n'y a pas qu'à contre toi. Souvent, il est arrivé dans la hiérarchie, quand un là-dedans peut faire tellement bien, un là-dedans peut faire exceptionnel, un là-dedans peut faire ça fait différent, un là-dedans peut venir avec une nouvelle idée, un là-dedans peut venir avec une nouvelle stratégie, un là-dedans peut venir avec nous faire audit de tout le monde compte. Un bon affaire ça. Nous promouvoir transparence. Un bon affaire ça. L'oreille qui est un peu de bonne dépense pour ça en est là. Un bon affaire ça. Alors n'importe quoi, pas qu'à contrôler parce que les PDM ils faire ça. Et là, nous commençons à manipuler un autre groupe du monde pour tout cela sur la voie. Ça, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je vais donner un exemple. Souvent, il est arrivé dans le travail, tu as beaucoup les autres places, dans les autres départements, qui est arrivé quand tu ne veux pas rester contre toi. Un diable qui est là ou toi, de supérieur, bien à côté de toi, bien pour, pas rester contre toi. Contrôler veut dire, pas rester, dis-toi, faire des affaires et te faire aller. Soit bien contre toi, correct. Qu'est-ce que je fais là? Je vous manipule les autres du monde. Comme une contre toi, pour ne pas rester exécuté, bon, vous avez des gens de faire. Dans le cas, c'est clair? Nous disons Seigneur Jésus, délivrez-nous de toute manipulation dans le travail, dans les carrières, dans les ministères, au nom de Jésus. Amen. Exemple 8, verset 9. À un moment, les années, ça. Ah, bah ça, c'est une autre. Tous les mois, les fans de vous, ça fait même les vues montrer du monde censé là. Non, on va pas montrer du monde. Il y a beaucoup d'affaires pour faire, ça c'est typique, c'est aussi qu'à faire tous les semaines, mais je vous fais. Bien sûr, je me retourne. Ah, bah ça, c'est là tous les mois, il y a un nouveau poster, il y a le dédou. Ah, fait que de manger là, combien en gros là. Et là, tu vas, mais m'a fait trouver une photo, tu m'as dégagé quoi là, tu m'as dimanche sur le prêché. Tu viens soir, avion roulé d'asseoir, comme tu as soir, on est venu. Tu vas te réveiller toi. Et dimanche, si tu m'as dégagé, ça me dit mal dégagé quoi, pourquoi tu vois ces filles, monsieur, je l'ai dit. Un jour, bon Dieu, demain, jet. Tu vas pas le pasteur, non. Parce qu'il y a une commune, parce que tu sais, tu sais, ainsi de suite. Et là, même si vous parlez, il est dimanche matin là-bas. Il est revenu au final de l'ouest. Parce qu'il a été au plus vite. Un jour, je vais l'en aider, avec mon madame, je vais l'en aider. Vous ne pouvez pas la fenêtre. Vous ne pouvez pas la fenêtre. Première fois, vous trouvez un avion dépasse un avion. Vous pouvez dire, je vais aller dans le gros Boeing d'Emirates, je vais aller dans l'avion. Vous pouvez quitter. Vous trouvez l'avion. L'esprit là-haut. Et là, moi, je propose un jet. Le ban jet, je parle pour le même l'altitude qui ban commercial. Je envoie un peu plus là-haut. Mais pas si ça n'est allé, avant que tu recoules, tu pêches. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Un jour, mon bradeur dans le nom de Jésus. Parce qu'il m'en a fait des affaires, mon Dieu, papa, il m'a trouvé, non, il n'y a pas cadeau de moi. Non, je ne sais pas pourquoi tu me dis. Bon Dieu, pas pour permettre de l'Igier trouver des affaires qu'il n'a pas pour capable de toi. Je suis venu à manger dans un restaurant, je trouve un ministre là-bas. Je suis touriste de la télévision. Là, je trouve là-bas. Pour me dire, pas pour permettre de trouver une affaire, il n'y a pas qu'à de toi. Je la même? Ouais. Ok, je continue. Actes chapitre 8, verset 9. Je vous montre juste une autre place encore côté de manipulation. Si
Si ma petite fille, ma garçon, avant de marier, tu récites protégé de ma manipulation, donc tu connais un peu plus beaucoup mieux au pied de ce ton. Tu connais un peu plus beaucoup la force de ce l'ego. Mais ma petite fille, tu peux drainer peut-être. Mais ma petite fille, tu peux couler. Tu peux couler de ce qui est. Avec sa parole, 8 et le verset 9. Le verset 5. Philippe descend d'un endroit qui appelle Samarie, il prêche de Christ là-bas. Un grand la foule est venue pour écouter lui, ainsi de suite. Le verset 7. Mon esprit un peu est sorti, puis aller, ma puissance démoniaque, puis aller, je peux crier, il faut fausse ou caler. Le verset 8. Un grand la joie de sa la ville là. Écoute ça. Vous êtes dans ça? Le gospel manifeste. Quand on prêche la parole de Dieu d'un endroit, d'une famille, quand on prêche la parole de Dieu d'une place, des mots aller, l'argent vini. Quand on prêche, prêche le Christ, l'esprit impur aller, l'esprit de joie vini. Boité mort, boité guéri. Le verset 9. Tiens, un démon qui appelle Simon. Simon, il est là-bas, il exerce la magie. Viens avec moi, s'il te plaît. Le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la salle. Et dans le verset, on a vu qu'il dit. Un démon qui appelle Simon. Simon, il est là-bas dans la ville, il exerce la magie pour manipuler le démon. Et il provoque l'étonnement de tout le démon. Il y a des choses qui sont capables de gérer, il y a un grand démon. On a essayé qu'il soit Superman. Depuis plus petit, le verset 10, depuis plus petit, ce qui est plus grand, tout le monde t'a se même avec lui. Tu dis, ouais, ça, belle boucle ça. Puissance mondiale, on lit ça, ça, vous appelez grand. Dieu, vous appelez grand Dieu. Je ne vais pas continuer le verset 11. Pendant longtemps, il étonne le démon. Le mot étonné, c'est manipulé aussi, dans sa verset là. Pendant longtemps, il étonne le démon par la magie. Par la sorcellerie, pas rien même. Pas de Dieu, le pays a le Nouveau Testament, le pays a quand l'Église est fait former. Et bon Dieu, comment peut-il nous dire? Il y a un démon pratique magique, il y a un démon pratique sorcellerie pour manipuler le démon. Je ne sais pas si Farakis, Raphaël, bien si Philippe, moi, ça arrive ça, parce qu'il est plus grand que moi, vous savez, le coup de pavé, non? Magicien, tu les amènes pas de toute l'époque? Demande moi l'époque magicien tu viens. Moi, je ne me souviens parce que moi, je ne me souviens pas. Alors, quand magicien là, tu viens, tu as magicien avec tes enfants. Après, là, tu prends la peau et tu fais un étudiant, tu fais tout l'école là. Et tu fais tout l'école là avant. Après, là, tu commences à faire ce pack magique. Bien souvent, comme ça. Même comme tu l'aimes, il y a des affaires qui appellent Mela. M-E-L-A. Mela. Mela veut dire. Sensifère. Mela veut dire. Je vais vous dire que tu as fait un film, quand tu as fait un éléphant, un petit boule. La bouche brusée de tout l'endroit là, un lion se dit, mais là, avec un moment, vous pouvez m'amasser pour performer. La magie pareil, avant chaque fois que vous performez la magie, que vous exercez la magie, vous êtes dans la fête tout autour. Enfin, monsieur, monsieur, madame, rappelez-vous que la magie, il y a des affaires qui sont à Zodizo qui dit qu'on fait ça. Quand vous pouvez Exode, dans le livre Exode, dans l'époque Exode, et Moïse est sur bâton par la puissance de Dieu, bâton a mis un serpent. Un sorcier, un magicien, c'est sur bâton a mis un serpent. Donc il servit la sorcellerie pour faire ça. Bien sûr, la Bible. Mais dans quelle époque, avant même que bon Dieu donne les 10 commandements, mais dans quelle époque, Dieu veut commencer avec la sorcellerie. Quand l'homme il fait le péché, quand l'homme, l'humanité, l'homme, Adam et Ève, quand l'homme et toute race du monde, race humaine, il fait le péché, tombe dans le péché, je ne retourne moigner pour un accès au chemin naturel. Que ce soit avec une boule cristal, enfin, moi, si elle n'a pas les personnes manipulées par boule cristal, hein? Vous entendez comment dire là? Moi, je dis, elle n'a pas les démons, je t'ai venu, il pouvait être dans la boule, il pouvait être dans le destin. Vous restez pas dans la boule. Vous restez dans la main de Dieu. Venez, moi, je te la main, moi, vous dis, toi, qui, quand, que tu parles, non, moi, la main, il n'est pas dans mon destin. Moi, la main, est dans la main de Dieu. Venez, moi, je te la tête, comme un coco, tu es là, comme un coco, moi, je mon coco, tu es venu, tu es venu, dans mon coco, pour le mariage, venez, moi, je te dis, amen. Venez-moi pour faire des affaires là, pour venir prendre horoscope, ne vous guettez un coup là qui te destine. Non, monsieur, madame. Vous vous rappelez quand vous étudiez là, avant même que vous m'allez dans le collège, moi j'ai déjà tellement d'enfants qui font ça. Dans le collège, les enfants collège, prennent verre. Je ne sais pas pourquoi les gens sont sorcellerie, c'est pas normatique. Je prends verre. Je te mets ça. C'est quoi les dieux? Je prends ça, je te mets ça au tableau. Après, je te répète un appui, après, je te l'orgue. Ça fait vers la bougie de la boule. Donc, collez, on peut dire, donc, Maurice, donc, collez. Quand on challenge, pareil, on n'a pas besoin de caillard. Donc, je caillard là. Alors, je finis bois, je finis ainsi de suite.
Et vu qu'il ne peut pas taper pour moi, moi, j'ai un sommeil, je vais dormir. Quand je vais dormir, je n'ai pas de faire avec moi. Quand je vais dormir, je vais avoir des oreilles, souci. Après ça, ragging. En blend d'axe, des double coups là. Je vais porter une rouge, je vais gratter, je vais à l'université demain. Après ça, ragging. Je vais faire avec un garçon, et je vais taper sur un tutu, je vais taper sur un lycée dans la case. Je vais taper sur un lycée dans la case. Bon, je vais te dire, comme l'étudier, je vais me faire un lycée. D'accord là? Je dis à ce garçon-là, mette les doigts du pied dans les yeux, ça dit là. Dégoûtant. Quand j'ai fini de boire, je dis à ma petite fille, un garçon fait striptease. Tout ça, les affaires, c'était oui. Et là, ça me dit, je me connais plus capable. Monsieur Pasteur Romy, est venu pour moi, il est là-bas. Je suis bombé, il est venu pour moi. Il y a même une place, on a resté, je suis derrière la paix là-bas. Ok. Vous êtes ceux qui, là-bas, si, c'est pas là, je caille. Et puis ça veut dire que quand il y a, quand tu un jour, des jours qui est dynamique, qui veut le faire comme Dieu, parce qu'on va faire le choix, on va aller bien, mais moi, l'aime. Bon, alors maintenant, ça veut dire. On va connaître mon côté de notre affaire. Alors, maintenant, pour finir, je vais faire une invocation, je vais passer, une façon, je vais faire de la main, je vais pied, je vais visier, ainsi de suite. Après, il explique qu'il y a pour mon autre, je vais sentir comment il y a, je vais poser comment il y a, pareil. Père de Dieu, si vous ouvrez la porte avant le démon, démon pour rentrer, hein. Si vous ouvrez la porte avant l'esprit, l'amour. Si vous ouvrez la porte avant l'esprit démoniaque, l'esprit démoniaque pour entrer dans le chrétien, nous n'avons pas besoin de rien, ça va faire là. Nous n'avons pas besoin d'aucun masique. Mon tel, je dis amen. Nous n'avons pas besoin d'aucun masique. Je me rappelle dans la librairie, tiens un livre masique. Dis-toi qui te faisait faire quoi, tu as fait un masique, qui formule et qui va nous faire tout bien réciter. Il y a des affaires tout bien réciter. Et tu vas comprendre, on n'est pas français, tu vas lire. Tu vas connaître qui te peut causer. N'a pas fait ça. Je me rappelle encore, je ne sais pas ça. Je me rends grâce à Dieu. Depuis très petit, depuis 15 ans, 16 ans, mon Dieu, tu peux prier pour moi. Tu peux prier pour moi. 16 ans, j'ai fini de lire un livre qui s'appelle Rescapé de l'enfer, délivré de la puissance des ténèbres, témoignage d'Emmanuel Eni. Comment est-ce que tu as un livre? Tu vas connaître? Écrire. Rescapé de l'enfer. Délivré de la puissance des ténèbres. Témoignage d'Emmanuel Eni. 16 ans, hein? Maintenant. 17. Attends, il y a une réponse. Non, mais c'est des petits, moi je finis rempli, mais il est capable de Dieu. Après, il y a comme un gamin, il y a un cas à lire. C'est mon sorcier qui convertit. C'est mon sataniste qui convertit. Après, je te raconte, je t'avis là-dedans. Je te raconter comment je. En où était, comment je prends vos bons accidents, comment je prends vos bonnes affaires, comment quand nous prenons la Sainte-Sainte, maintenant, comment ça vient du monde, ou à 10 ans du monde, comment je te. Je suis un démon, comment. Enfin, beaucoup, comment je devais faire un sacrifice à un démon, ma puissance sorcellerie, comment je fais ma vœu, ma pâque. Beaucoup d'affaires. Et, alors, grâce à Dieu, il dit, l'aime comment ça, mais tu n'as pas les liens de seul coup. Tu n'as pas les liens de seul coup. Donc, trop là-dedans. De l'y aller, d'arrêter, t'as fait la méthode, je te réconcilie. C'est notre plutôt. Maman, je connais, maman, curieux, comme tout. Bon, c'est l'école, bon, il y a dîner. À celle-là, tu mettais, tiens, un petit fille, tiens, animé par un esprit mauvais, et tiens, une sorcière, et tu viens, viens, à soir, pour faire la sorcellerie. Après la journée, tu viens de jouer petite fille, tu vas dans la banque, les diables, tu as volé là-bas, pour laisser le diamant du monde, et ainsi de suite. Quand tu finis, ça a toujours les petites filles que tu as trouvées. Ça n'a pas sûrement envoyé le diable. Ça n'a pas encore envoyé le diable. Il y a une petite soupe, une soupe, ça! Quand tu dis, parfois, quand il y a des affaires, il est mal interprété. Ouais, il y a beaucoup d'affaires, bon. C'est un livre que je ne peux pas lire. Rescapé de l'enfer, délivré de la puissance des ténèbres, témoignage pour Emmanuel Eni. Et alors, tu me dis, comment tu m'as dit, que ce soit un frère, c'est un peu mort, ce moment, ce papa, peu mort, il y a un problème, il y a un magazine, il peut lire, maintenant, il y a un vidéo d'un rituel, il y en a l'air. Tu m'as dit, là, on a besoin d'argent pour te la même, c'est un petit sang là-dedans. Donc, mourir, c'est non ça, hein? Il y avait un teenager, il y avait une jeune fille, jeune garçon de Maurice, dans une collège, sans rentrer. Il était juste faire ça, je le fais. Un bout de CV, avec un petit sang. Après ça, telle place, tel pays. Vous voyez, il fait cette alliance, il va guider. Maintenant, comment ça va lire? Maintenant, comment ça va être matériaux, les normes, les affaires. On a besoin de nouvelles affaires, ça, nouvelles affaires, ça. Après, il y avait un pasteur, ce petit fille. Pas bonhomme, non. Un pasteur, ce petit fille. Ça arrive à un moment, il passe un moment difficile, ainsi de suite, plusieurs événements, l'arrivée de Solari, une chambre de Solari, aigri en colère, au bon Dieu, et j'ai envie,
Inévitablement, il dit à même Satan, Satan, si tu es au présent, si tu es au existé, apparaît devant moi, mon vide ou toi, ainsi de suite. Et qui consiste sur l'homme manipulé? Qui consiste sur l'homme manipulé? Donc, on va essayer après, après, comment tu l'as, on va pas venir dans ça, même on est tous Satan. Je suis bien sur la question, on va aller. On va aller. On va aller, Satan. On va aller, non, rien avec toi. Tout le monde va, si, on va aller, toi. Non! On pas les yeux manipulés. On va douler, je vais capter, passer, on va me montrer. Si, on va me challenger, je vais capter, faire passer. Hein? Ok. Là, mon petit n'a pas laissé. La sorcellerie manipule. Je trouvais comment tu finis, non, 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 moi, n'a pas quoi Maurice qui épargne les demandes à faire. Si tu connais comme un sorcier en action, comme un démon dans la sorcellerie, pourquoi me cause beaucoup banal non pas la croiser, mon petit diable. Mais en crée, en confession que je fais, en affaires que je fais. Comme de Dieu, nous sommes prudents. À cause de ça, tu vas pouvoir se tirer. Longtemps, moi, tu es content d'être, hein. Longtemps, moi, tu es fort comme un petit, parce que ça, tu es facilement, facilement, moi, tu es content d'être la magie. Mais dans les enfants, Dieu, mystique, il n'a pas qu'être la magie. Ça peut ouvrir la porte pour mauvaises affaires comme de toute la vie. Il n'a pas ouvert la porte. Depuis ça, je l'ai arrêté, magique. Grand cabaret du monde. Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de choses qui font de la magie. À plusieurs films magiques. Tu fais qu'il y a Halloween. Tu as beaucoup de films qui sont pires. Regardez Halloween, beaucoup de films qui sont pires. Il n'a pas honte de ça dans les affaires là. Dans le travail, pendant que tu dis bon, tu peux faire Halloween, parce qu'il y a des valises, il y a un indien. Dans peut-être sinon on habille comme un bansinois, puis Halloween nous pas habille en noir, nous pas habille comme un bansorcier. Compagnie d'Aïbène, vous pouvez dire faire ça, hein? Grand grand compagnie, vous pouvez dire. Habille comme un bansorcier. Effectivement, on n'a pas le ban masse dégoûtant, vilain, ou être de figuier, l'aise, avec des convenis. Mais bon, je connais quoi les hommes, hein? On va pas pour le cycle d'un ornier, même pour mon habillement, on va pas pour le cycle d'un ornier. Je te dis amen. Je te dis amen. Pas toi, tu sais, donne un ah, mon boulet, pas balier, mon boulet, on va moi, on va moi dire, on peut envoler. Tu connais, ma fille, il dit, mais balier, pour envoler le balier. Non, 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 non. Sous aucune forme. Elle va pas, ne va pas pour participer, ne va pas. Abracadabra. Et nous ne pas dire abracadabra, ouvre-toi. Nous veut dire au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi. Amen. Alors, on n'a pas les yeux de manipuler par la sorcellerie. De faire nous deuxième moment, nous sommes avec nous les guerres. Nous disons Seigneur, nous prenons l'autorité. Tu prends le moment magique, la magie noire, il est servi, la sorcellerie, il est employé pour manipuler nous, pour aveugler nous, pour attirer nous, faire une petite chose diabolique, malsain. Tu prends le moment où la sorcellerie finit d'être servie pour gagner nos émotions, pour gagner nos l'argent, ceux qui nous participent, la banque de sous, restez la même, on renonce, on met les hauts, les mots cancels, mon bon Dieu, il y a un Dieu de délivrance, il délivre moi aujourd'hui, il délivre nos générations, il délivre moi la case, de toute forme, idolâtrie, sorcellerie, magie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas jamais ça, Jimmy, envolé, ça tient un plus grand sorcier. Il n'a pas jamais ça, Jimmy, les gars, mange couloir pour ça, un plus grand sorcier. Il n'a pas jamais parce que Jimmy, les gars, fait qu'à sortir, il vient de poser. Non! Le diable pas pour donner rien cadeau. Le diable pas pour donner rien cadeau. Même si Jimmy, pas un peu rose, il fait une cassine de doigt. Car ça te gagne un cadeau, mais le diable, il pourrait te la vie après. Le prix que vous payez, il pourrait avec ton âme. Je t'amène? Amen. Je vous ai pas dit, si bon Dieu pas de moi, ça ne m'a pas les lits. Mais comme je dis ça, mon Dieu, si tu parles de moi, ça c'est ça de l'église, Seigneur. Faut pas délire moi. Si Dieu parle de moi, ça veut dire, il a pas Dieu béni toi, pour te donner moi, Dieu tout saint, sur lesquels pour te donner moi. Mais Dieu l'envoie. Si Dieu parle de moi, ça, mon n'a pas délire. Mon pas délire pour sorcellerie, mon pas délire pour braille, mon pas délire pour corruption, mon pas délire pour observer l'homosexualité, pour ça, mon pas délire. Il parle que moi, dans un garçon, dans un petit fille qui l'a. Si ça petit fille là, mais ça dans un garçon, bon Dieu, pas l'envoyer, mon pas délire. Ce n'est pas un enfant de Dieu, mais pas des vies. Le plus amen. Nous continuons. Regardez verset 18 qui dit. Alors, premièrement, nous montrons que nous avons dit que nous avons parti à la sorcellerie pour montrer que nous avons un plus grand péché, pour montrer que nous avons un plus grand
devant les yeux du monde. Tous les inquiétants qui ont un moment d'affaire de travail, cela délivré de ça. Mais avant qu'il délivre de ça, il est dans l'enfer. Mais tu es envoyé, le travail, tu es un monsieur qui décide de les et tu ne pas connu comment les récits manipulent par madame le travail là. Tous les envoyés, les récits font commérage, adultère, et par madame le travail là. Plusieurs madame dans le même département, la guerre est ainsi dessus. Et tout le monde connaît seulement, tu m'en as les pratiques en affaires. Mais personne ne va prendre ni avec lui, ni empêcher d'être victime de ça. Dieu, moi, tu es plus sur manipulation, tu es plus sur manipulation, manipulation entre les messages que je vais prêcher. C'est la guerre sur l'élimence. Tout le monde va bien, il est là, c'est la guerre sur l'élimence. Ma pasteur, mon confesse tout ce qu'il me dit. Mon déclaré qu'il dit sans Jésus qu'il faut qu'il dit. Mon guette miséral de ce qu'il dit, mon j'ai apporté aux autres, ça c'est une malade arrêtée. Ton rôle, ton calice, mon rôle, mon calice. Et gloire à Dieu, pas faire le mentir, c'est pour ce que je me servais. Pour dire gloire à Dieu, pas faire le mentir, c'est arrivé comme ça que j'ai dit. Je te dis amen. Je te dis ton rôle, ton calice, ton rôle, ton métro. Est-ce que vous dites calice ou pas métro? Alors, c'est arrêter un seul coup. Arrêter un seul coup. Un message capable de délivrer du monde d'un adulte qui peut vivre pendant 10 ans de travail. Mais la source est vraie. La source est vraie. Et dis-moi, le pasteur, mon Dieu, t'as fait. Quelqu'un a fait un manier joli, oui. Physiquement. Mais non, quand il n'y a pas de chambre, ça m'a encore, ça m'a encore, tout m'a encore, tout m'a encore qui est non. Mais c'est bon pour aller comment? Toujours un embobiné pour ça. Mais c'est quoi ça? Qui va expliquer là? La sorcellerie, la manipulation? Le deuxième gloire à Dieu. Ah. Ok. À des apôtres, chapitre 8, verset 18. Donc, mon partage de l'attention, il y a des affaires. Peut-être que les attentes, ça. Parce que même les attentes, c'est ça, par exemple. Mais le vérité, est-ce qu'il dit d'après la Bible, c'est qu'il diminue des attentes? Hein? La demande de l'attention. Ça me rappelle, je vais causer un monsieur sur ce causier-là. Pas de lui. Non, mais Simon. Tu te rappelles, Simon, moi je vais causer ce causier-là. Tu te rappelles, tu as une bien causé au causier 15 minutes, tu as une cause au causier Simon. Simon, quand il trouvait que Philippe est béni, Philippe peut faire un grand miracle. Je ne sais quoi. Il peut trouver que ce qu'il dit, il peut faire là, pas correct. Il a accepté Jésus. Mais s'il est l'un sur lesquels Jésus. Philippe aussi, comment suivre? Philippe aussi, regarde verset 13 qu'il dit. Simon lui-même crut aussi. Il est baptisé tout. Songez pour baptiser, monsieur, madame. Vous allez me dire? Il est capable d'appeler songez Simon le magicien. Jésus le mot policier. Jésus le mot policier. Vous allez me dire? À vous, ça n'a pas, ça n'a même fallu vous dire ça? Ça l'a ouvert sur place, ça. Lui, il peut être sauvé. Lui, il l'a ouvert sur place. Amen. Toi qui te dis dans la position du monde. Jésus, capable de sauver. La Bible dit dans le verset 13, Simon lui-même est mort. Et il prend baptême. Il colle avec Philippe. Il ne quitte Philippe, dit tout. Il continue avec tout mal réunion, ainsi de suite. Alors, on est là, on est là avec Pierre. Pierre et Jean. Pierre et Jean, il dit comment apposer. Vous connaissez ça à l'époque-là, ils vont manger ça. C'est ça à l'époque-là. Tout le monde tient à la parole de Dieu. Philippe, Étienne. Tout le monde a pris sa parole de Dieu, parce que Jésus n'allait pas tout, je n'allais pas tout. Mais quand je n'allais pas tout, je pris sa parole de Dieu, comment je deviens un groupe chrétien, comment un groupe là, il y a un groupe consolidé, là, il y a un apôtre béni. Là, Pierre et Jean sont de Jérusalem. Jérusalem, tu comment dire, base. Tu comment dire, un pied boum. Tu comment dire, l'église au bassin. Alors, Jérusalem, tu comment dire, quartier général. N'importe quand, un chrétien, il a pris sa parole de Dieu partout, moi, j'ai mangé, tu m'en quoi, il est en baptême. Là, il a fait Pierre et Jean. Pierre et Jean, arrivent le moment que Dieu te va se prendre sa parole de Dieu, petit groupe. Dieu te rend dans l'autre dimension de notre ministère apostolique. Je dis, allez fortifier ma église, établir ma église. Ok. À quoi ça se retrouve le verset 14? Ben là, quand Jérusalem entend dire qu'il va là, s'il écoute la parole de Dieu à Samarie, je l'envoie Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean descendent et viennent et ils prient pour Ben là, recevoir le Saint-Esprit, ils baptisent au nom du Seigneur. Le verset 17. Pierre et Jean déposent un même antimone et Majoué pour recevoir le Saint-Esprit. Verset 18. Et Simon, tonton Simon. Tonton Simon, quand il trouve le Saint-Esprit, peut remplir l'antimone par quand Paul et Pierre déposent. Amen. Je vois l'y faire. Allez, dis-moi qui le fait. Dis-moi qui le fait, verset 18. Ça, quand dis-moi qui le fait, verset 18. Non. Il propose l'argent. Qui fait, il propose l'argent. Pour qu'il décide, il y en a même don. Je vous trouve ça le verset.
19. Aligné verset 19, bien faux. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains me soit ressenti. Mauvais chant. Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et Abu Djalil, hé, de l'argent est avec toi dans l'enfer, le Père Dichon, hein? Tant que de l'argent vous pourrit, de mes pensées, de grâce, tes dons de Dieu a pris d'argent. Comment vous êtes connaître une volonté bon Dieu qui n'est pas qui s'en a pour sa parole de jeune Dieu? Ah, mais ça s'est passé ça. Le fait trouver Philippe, il n'est pas même pasteur dans rien. Il dit Philippe pour sa parole de Dieu, par exemple, moi, il est passé du monde là tout. Le radieux, tout ça. Et non, il y a même, là, même dit quand tu crois le Jésus, tu peux imposer même malade pour guérir. Je tout est là. Tu peux imposer même malade pour guérir. Si tu es un camarade, tu peux prier pour lui. Il arrive bien pour être rempli du Saint-Esprit. Tu même pas prier pour lui, tu poses un verre au lit. Avant de prier pour être rempli du Saint-Esprit, moi, avant de prier par Stéphane, on fait ça. Pas ça le problème, tu veux être rempli du Saint-Esprit. D'accord, là. Problème, c'était pas, toi, tu n'as pas gagné le droit, gagné sa puissance, là, pour te prier pour le Dieu du monde, tu n'as pas du Saint-Esprit. Donc, ne comment pas faire. Problème, c'était, de me redonner casse pour gagner ça. Et même qui vient, vous dit, t'as de me relâcher le don de Dieu avec casse. Si vous voulez, si vous êtes un chaîne chrétien, vous parlez comme vous êtes comme la chaîne chrétienne. TVN, l'autre TV, l'autre Chanel, c'est bien affaire. Dans le passé, souvent, quand tu peux écouter le pasteur prêcher dans le monde, ben là, vous dire, if you want my anointing, give 100 USD. Celui ou celle qui a envie sa longue chose qui est en moi là, demande 1000 dollars, longue chose vous transfère dans eux. Si tu as voué 50 dollars dans mon ministère, sa l'onction qui dans sa ministère là pour couler de la vie. Mais comment fait-il sa baisse là? On va trouver son bien là. Parce qu'il dit là, dans sa baisse là, il est clair, il dit, moi, je ne suis pas capable de rester l'onction. Je ne suis pas capable de rester le ministère. Je ne suis pas capable de rester le don spirituel par l'argent. Vous voyez dans le verset, il dit, quand il y a une victoire, c'est qu'il contient un cadeau de Dieu. Vous savez qu'on peut faire. Alors, quand on trouve un Dieu, il peut apprendre un message, et ça. Nous donner dans l'église parce que nous voulons l'église à faire progrès. Nous avons la dîme de le fond dans l'église parce que dans l'église, nous devons nourrir dans l'église. Et je connais quand nous devons contribuer financièrement quand nous la dîme, quand nous le fond dans l'église. Nous avons un travail qui nous devons faire dans l'église. Nous devons payer le cash, nous devons payer ma pasteur, nous devons dépenser ce que nous devons faire. Nous devons un nouveau projet, nous devons partir de nos pasteurs. Nous devons faire tout ça là. Ça, c'est OK. Là, on peut cause, on peut donner avec l'intention, pour la même l'intention qui est liée. On va tout ça là. Dis-moi, il abuse de ça. Ah, beaucoup de gens, hein. Il abuse de ça. Ah, moi, pour donner sa frère, il paye un peu l'argent là. Et là, les frères, pour dire, ah, mets l'onction dans la vie, pourquoi il doit te la vie? Il paraît comme un pasteur, il tient des affaires. Le pasteur Renaud Bonquet, il tient ça. Beaucoup de monde finit, tu connais le pasteur Renaud Bonquet. L'évangéliste, par exemple, pasteur Renaud Bonquet, tout ça. Ben là, il dit le pasteur Renaud Bonquet, il dit pasteur Renaud Bonquet, pray for me, I want to have your anointing. Priez pour moi. Parce qu'il me semble qu'il y a même l'onction qui doit te dire. Là, le pasteur dit, tu connais? Mais si vous priez, vous quittez la même longue chose qui va mourir. Vous voyez la longue chose là, parce que je pense qu'il va mourir. Vous montrez du monde là qui, parle-moi de longue chose, parle-moi de longue chose de Jésus. Amen. Amen. N'a pas dit à moi, vivez-moi, Pasteur Aswin. Dis à moi, vivez-moi, Jésus-Christ. Parce que Pasteur Aswin est un défaut. Pasteur Aswin, il n'a pas été. Moi, je suis de sa vie, je suis fini glorifié de sa vie. Jésus fini glorifié. Je dis Amen. N'a pas dit à Pasteur, je vais vous recevoir comme moi. Non. Faites vous recevoir comme Jésus, pas comme moi. N'a pas revu pareil comme un pasteur. Tu comprends les soins inspirés, parce que la Bible même dit soit un modèle pour les fidèles. La Bible même dit suis ceux qui peuvent faire bien. Tu comprends pas suivre, tu comprends pas les soins inspirés pour ceux qui peuvent faire bien. Mais n'a pas revu même chose de tout là sur la vie. Bien souvent, là, tu trouves une balance dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'Élie bâtit de l'onction à Élisée? Mais attends, nous avons réfléchi à cette affaire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans sa contexte. Ça, si c'est ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit tout est rempli par le Saint-Esprit. 120 dîmes dans la chambre de 120 dîmes qui est rempli par le Saint-Esprit. Elle ne passe encore bien fait prêcher, puis encore prêcher 3000 dîmes et rempli par le Saint-Esprit. C'est pas baptême, tout. La parole est réservée pour un Élie, pour un Élisée. Aujourd'hui, nous prenons un Élie, nous prenons un Élisée. Dans un million Élie, dans un million Élisée. Dans le Nouveau Testament, on appelle nous chrétiens. On appelle nous Élie, Élisée, on appelle nous chrétiens. Christian. Christ même veut dire l'onction. Donc, des fois, l'onction, on a infini l'onction dans le monde. Par contre, des fois, arrête trop des fois. Arrête trop de dose.
Il y a infiniment d'oses dans toi. Je viens le Saint-Esprit, mon Dieu parle de nous goutte à goutte. Je viens le Saint-Esprit, parle de nous. Mon Dieu parle de nous, le Saint-Esprit, mon Dieu parle de nous, Paris, où il y a Dilé, où il y a Dissé. Non, non, le Saint-Esprit, Dieu est sur plénitude. Vous connaissez cette plénitude? Plein, plein, sans réserve. C'est-à-dire, même chrétien qui peut réussir dans l'éducation, il est capable de réussir dans ses finances, il est capable de réussir dans, différents carrés sur la vie, il est capable de réussir. Qui fait de le Saint-Esprit sans qu'un limite dans ton temps? Et nous, on fait ça, c'est là, vénérable témoignage. C'est là pour gagner encore le 54 ans, ça fait comme ça. Le bien fin dans les. Ce saint, parce que c'est un cancer, des saints. Gloire à Dieu. On priait, il n'est pas plus grave, il est encore vivant, gloire à Dieu. Tu abandonnes le Seigneur, ainsi de suite, mais moi c'est que le Seigneur. Peuple de Dieu, que tu fais l'école maternelle, que tu fais sœur, que tu fais frère, l'école maternelle. Donc tu connais qui il était? Lecteur à l'université. Non, je vais vous dire que vous pouvez dire. Ou les cours complets. Vous faites pas pour manger dans les limites, pas qu'à faire ça avec vous. Cela peut persévérer. Cela se misait pas converti. Quand vous êtes à nous prêcher, les rentre sur le tour de parking, les mondes vides, ils pouvaient prêcher, ils sont contents d'écouter. Quand vous êtes prier, les rentre dans les balles, prier sur Marie-Diane. Et n'y attendent, tu veux prier? Depuis de rentre dans Michon, il n'y attendent, tu veux prier dans Michon? Si on prend un baigner dans la salle de bain, il n'y attendent. Et bien sûr, a été causé. Donc, pour monter sur les premières affaires, quand un petit monde comprend, moi, le Saint-Esprit de Dieu dans moi, moi, pour réussir. Le deuxième mot pour réussir. Ça là, ce qui m'a dit là. Le deuxième mot pour réussir. Ça là, ce qui m'a dit là. Frère, 54 ans, il est lecturant, l'université. Mon maman, 60 ans, d'aller sur le premier, il y a une médaille lourde. Jésus, c'est là, pas là. C'est. Il y a son maman, comment appeler? C'est Laura, son maman, comment appeler? Oui. Allez, c'est capitaine, il vient là. Il y a son maman, son maman. Ça veut dire, il y a son grand-mère. Il se dit, promène un nazi. Putain, la presque 60 ans. Il se dit, promène un nazi. C'est. Il fait, moupi. Après ça, là, ce qui était là, là, n'a pas quoi, tu es fini. Et ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout dépend de comment tu crois. Vérez tout la Bible, c'est ça. Tout dépend de comment tu crois. Ce qui te fait croire, c'est pas. Si ça, c'est là, tu dis que ça, donc tu finis nos saints. Tu finis pour moi. On arrive assez pour moi. Quel problème d'arriver dans la case, l'école maternelle, qui vous faire, nous fermer, nous mourir comme ça même, bientôt pour bien 60 ans. Disney-Roupie, il n'y aura pas viré Disney-Roupie. Il n'y a pas de raison comme ça. Il n'y a pas de raison comme ça. Mais croire, mon cas fait tout par celui qui me fortifie. C'est ce qui m'a dit au croire. Il n'y a pas mis aucune limite à Oulaz. Il n'y a pas dit pas de l'occasion à l'école. Il n'y a pas dit pas de l'occasion, pas de l'occasion. Ça, c'est ainsi pareil. Il n'y a pas de l'occasion. Mais ça fait tout le temps me dire. Les autres capables de galoper avant toi et de démarrer avant toi. Donc, on tourne pour attendre eux. Tout le monde fait aussi. Hein. J'ai dit les autres. Une calorie avant toi. Une démarrée avant toi. Ton contour. Ton pour attraper ceux. À tout niveau. Dans le business, dans l'église, dans le ministère, crois au français. Donc, Dieu, bon Dieu n'a pas fait préférence du monde. Hein. Bon Dieu n'a pas fait préférence du monde. Ça, c'est là. Quand tu as 8 ans, sur 8 ans, bien 6 ans, ce n'est pas un mot. Il n'y a pas une connexion, ça veut dire qu'il n'a pas. Aujourd'hui, il peut servir bon Dieu dans son église qu'on lui parlait, plus il y a une grande bénédiction dans le royaume de Dieu. Frère, non, rien n'est pas impossible avec bon Dieu. Croire. Ou gagner un million de roupies pour vivre au business. L'air pour venir pour faire interview les autres jeunes. L'air pour venir. Pensez, vous mettez un joli petit costume, vous mettez un joli petit jupe, vous prenez devant le bureau. L'air pour venir, que tout le monde dans l'église nous travaille lundi à vendredi. De 8h jusqu'à 4h, au nom de Jésus-Christ. Ça va nous là pour venir. Croire. Et tu passes ici, quand je vais travailler à soi, mes enfants restent. Mais un jour, pourquoi vous pouvez faire venir, je vais vous raconter ça, l'expérience, ça, Zen. Parce que Zen, pourquoi je ne parle pas pour comprendre ça. Vous êtes comme un call center, je suis venu, je fais quoi, c'est un travail qui existait. Je vais vous raconter, je vais vous raconter, qui va challenger, non,
qu'on travaille à soi. Vous faites ce cliché, ça va nous aider, ça. Parce que je sais pas quoi, ça 5000 roubles, je vais gagner, parce que c'est pas ce qu'il y a qu'à savoir. Je sais quoi, ça 5000 roubles, là, grand casse, extra grand casse, ça. Super grand casse, ça 5000 roubles, là. Non, mon frère, mon Seigneur. Pas pour 5000 roubles, là, maintenant. Je te dis amen. Amen. Ok, comme j'ai terminé. Alors, on a parlé sur quand dans cet testament, il y a l'exemple encore, Balaam. Balaam, c'est quelqu'un appelé de Dieu, il est un prophète de Dieu. Il s'est prophétisé, Dieu, il est un prophète de Dieu. Mais qui s'arrive après? Balak. Tu redonnes lui l'argent pour qu'il prophétise de mal. Enfin, on ne peut pas qu'avoir un ministère qui est bon Dieu de nous pour faire commerce avec ça. On va dire amen. On va dire. On ne peut pas qu'avoir un ministère qui est bon Dieu de nous pour faire commerce avec ça. Jésus vous dit une jolie phrase. Jésus vous dit gratuitement, on gagne. Si on gagne gratuitement, gratuitement de nous. Mais les avant nos CD. Vous savez combien on les avant nos CD? 5 roubles. Frikinasté. Gravé par lui. Sans aucun profit. On ne va pas comprendre comment il y a du monde qui a rachat avec ça. Il est dans une vie. Tu as rachat avec la parole de Dieu. On tient dans les opérations à gérer. Bon, bah, bon, chacun me rend compte, bon, c'est ce que je vais faire. Chacun, si bon, j'ai dit, chacun me rend compte, c'est ce que je vais faire. Mais mon frère, mon Seigneur, vous le recevez gratuitement, vous ne pouvez pas mettre aucun prix à ce que bon, j'ai une donnée gratuitement. C'est un cul. Un dire, comment vous avez payé pour ça? Comment vous avez payé pour une auditoire? Vous avez payé pour une auditoire, mais gratuit. Mais les autres, tout le monde a besoin de TNG. Mais les autres, tout le monde, les autres chrétiens, vous avez venir les autres places, et vous avez payé 400, 1200, les fois, le côté de moi, c'est zéro. Si bon Dieu, tu disais un prix pour te rendre dans les cieux, pour t'adorer, personne ne va se frapper sa prix là. Je ne prends pas la même. Quand nous avons fait un jour quand vous sentez bien, un jour quand vous jouez la guitare, un jour où même mille du monde tombé quand vous jouez la guitare, béni, guéri, nous allons mettre un prix à ça. Laissez-le gratuit. Bon Dieu pour nous. Nous disons bon Dieu pour nous. Bon Dieu pour nous. Amen. Voilà, on termine avec ça. Enfin, aujourd'hui, si vous rendez-vous, c'est terminé. On termine avec ça, aujourd'hui, c'est mort. Il ne faut pas trop croire les bibliques. Quand tu dis, si tu demandes 5 000 roupies, tu demandes autant de roupies, mon onction vous vient dans toi. Eh, sorry, vous avez fait là. On n'a pas quoi, même si vous pouvez dire, tiens, un exemple. Fais-moi dire, moi, pasteur. Fais-moi dire pour l'année, je prends un nom avec un cadeau, avec un teaching gum, avec un bon mot. Bien, pour qui cadeau, il est capable d'aider. Quand je prends un nom, moi. Il ne faut pas aller dans l'attitude, que ça, là, comme on peut le dire, pasteur, son onction vous vient dans moi. Mais pas. Et puis, vous rentrez les marches comme ça. Je connais comment trop, allez, vous donne un exemple. Je connais comment on tombe amoureux de lire la Bible. Comment on commence content étudier la Bible. Comment on commence content rentrer profond dans la Bible. Comment tu fais un magazine, pasteur Maurice Cérilleux. Pasteur Maurice Cérilleux, tu parles un magazine. On pense sur magazine. Moi, tu es émerveillé par la façon de décortiquer ça, d'expliquer ça, ça, ça. Simplement, avec la soif. Faut que tu gères la Bible. Et des visualisés pour compter dans la Bible. Vous ne pouvez pas envoyer casse. Un souci, vous ne pouvez pas envoyer. Mais. Allez. Qui façon d'être béni par le ministère, reste dans ma ministère pour la parole de Dieu dans le ministère. Mais il y a façon. Sans l'argent. Parce que sinon, la parole du royaume de Dieu pour vivre le royaume des riches. Une phrase bien faux, on dira. Sinon, l'église pour vivre l'église des riches. Je sais qui a payé pour bien l'onction là. Je sais qu'il y a un bon travail, un bon appel. Il y a un bon travail, l'onction de l'église là. Je vois ce que je veux dire là. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des riches. Le royaume de tout le monde. Écoutez, je m'en. À cause de ça, dans l'église, il faut avoir aussi une mentalité. Il faut dire au président la parole de Dieu quand on va venir dans l'église, parce que vous pouvez les aller pour bien. Non. Là, quand tu peux aussi la parole de Dieu, prier là, moi-même, pour bien. Elliot, petit garçon, Elliot, petit hôpital de jour. Ce papy, il me dit, mais ce papy, allez prier pour Banda, papy. Les petits enfants, l'hôpital, ce que les enfants étaient là. Ce papa, il dit, à prier. Non, parce que tu dis, tu me dis, après, je dors. À prier, vous êtes. Allô, voilà, normalement, voilà, t'es formé, mais diamant. Voilà, allez, il n'a que 20 enfants là. Il m'a prié, vous êtes. Il me dit, Jésus, pour toi, je veux qu'il m'aide de bien, il cause avec eux. Après, papa, là, retourné. Il a dit, mais tu n'as pas prié pour eux. Allez, tu vas prier pour ceux là, moi tu vas prier pour ceux là, tu vas prier pour ceux là. Tu connais, arriver, s'il arrivait, hein, c'est dans l'hôpital. Pas que tu m'as dit, allez, on est chrétien, on est à l'hôpital. Pas que tu comme ça.
Il dit, ok Seigneur, mon vie là, je vous profite de l'occasion qui m'a là, je vous pose la parole de Dieu tout le monde qui là. Il dit comme ça. Tu as fait un check-up, tu as fait un édition, n'importe quoi, tu as aller. Il n'a pas dit, aïe, moi un chrétien, tu as fait la liste, aïe, moi un chrétien, tu as fait la liste. Tu sais, n'est pas comme ça qu'il faisait faire. Gloire à Dieu, moi un chrétien, moi une source de bénédiction, moi l'arrivée du monde, quand Marie m'amène à l'hier. Amen, c'est-y, pas tout. Je dis amen. Je dis, on va terminer pour aujourd'hui. Il ne faut pas oublier sous une victime de manipulation. Que ce soit dans l'église, que ce soit la façon de donner, nous avons beaucoup d'exemples, que ce soit les volonctions, vite bien, quand du monde tient à faire, vite bien, qui la Bible dit là? Pas parce qu'il n'est pas résolu dans l'oreille du monde. Il va être moi qui vient te dire, j'ai oublié le pasteur, ce nom, il cause beaucoup de la sagesse. Vous pouvez dire, oublier ce nom. Il dit, si tu donnes 777 dollars, mais c'est toi, on a besoin d'aller à un lock. C'est moi qui ai besoin de 7, 7, 7. Et là, ça va arriver. Et, donc, quoi, numérologie. Numérologie, on fait ça? Oui. Il ne fallait pas nous vivre là-dedans, hein? Il ne fallait pas couler, dicter nous. Ça, c'est horoscope, ça, c'est tout, c'est bleu. Donc, tout, ton numéro, c'est 6. Ton numéro, c'est 7. Aujourd'hui, un balayé de la porte, aujourd'hui, couche, 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 la porte. Il ne fallait pas numéro dérange nous. Le deuxième mail, il nous a arrivé qu'on peut faire tirage au sort, on a fait un travail, on peut faire tirage au sort. Numéro 6, c'est une sortie pour moi. Nous pouvons aller, moi. Mais c'est gloire à Dieu. Si j'ai un jour, mon Dieu, tu crées l'homme, mon Dieu, c'est tout ça. Oui, frère. Il ne faut pas donner une mentalité, le monde. Quand nous allons aller, béni. Si mon trappe numéro 1, c'est béni. Si mon trappe numéro 6, c'est béni. Si mon trappe numéro 1 million, c'est béni. Arrête les 20 numéros, les rangs. Je me rappelle comme on a reçu le thé, souvent quand on peut retirer, on a reçu le thé, pas tout le thé, mais il y a. Vous savez, pas tout le thé qui est le numéro 13. 113, 213, 413, 513. Madame, superstition. 13, pas mété. Il y a une grande compagnie, comme on a travaillé dans les autres pays. Puis non, flow numéro 13, mais non. Mais vraiment, mais Jésus. Tu rends à l'ascenseur numéro 13, mais non. Tu as compté 12, après 14, direct. 13, mais non. Alors, un jour, on arrive, pas de thé, il y a 4 camarades avec moi. On a parlé numéro 6. On a parlé numéro 13. Vous avez demandé le numéro 13. Moi, je prends le numéro 13. Mais si c'est vrai qu'on voit Dieu qui dort nous, Dieu qui grandit tout le chiffre, arrête bien le chiffre. Arrête bien la superstition. Le Dieu, j'aime à Dieu. Merci Seigneur. Comme nous disons, Seigneur, délivre-moi de toute forme de manipulation, de bonne dîmoune, de bonne famille, de bonne proche, de ceux des alentours. Seigneur, dans mon vie, ni moi, je ne manipule le dîmoune, ni mon lévine, victime de manipulation. Vous n'êtes pas bon là, vous ne pouvez pas connaître pour qui ça. Mais cette qualité, je trouve sur vous. Si vos parents tiennent manipulés pour donner un bon terrain pour les autres du monde, vous déclarez dans le nom de Jésus-Christ, restauration, ça va être là pour vous. Les connectés recevoir. Vous pouvez dire. Vous ne pouvez pas planifier pour dire, mais il y a un moléquier, vous pouvez dire là. Enfin, vous connaissez l'Esprit de Dieu, vous avez fait un moléquier qui pointe du monde. Si vos parents, vos grands du monde, comment nous dire, à cause de pas qu'on lit, à cause de grand cœur, à cause de bon cœur. Les autres démons, les autres familles, tonton, les autres démons, ils viennent manipuler. Vous gagnez une portion de terrain. Qui vous connaît où? Si ça, tu es resté, les enfants, tu peux pas profiter de ça. Le Seigneur veut dire à toi, tu vas le meilleur jour, il n'est pas vivant. Et le Seigneur veut dire à toi, c'est que les hommes, ils ont un bon Dieu pour rester au toit. Chacun t'a pas dit. Les autres, maintenant, comment dire bon Dieu, merci. Ceux qui étaient là pour tes autres babayes, nous pouvons te prier 5 minutes. Donc, pour les autres rendez-vous, comme les autres rendez-vous.